Cette semaine, ça faisait très longtemps que le site de lancement de la Starbase de SpaceX n'avait pas été aussi calme. Et ça, mes amis, eh bien, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tout le monde est prêt pour le deuxième vol du Starship. Et par la suite, au milieu de la semaine, eh bien, c'est au tour de la grue LR-11000 de se déplacer au-dessus du booster 9. Elle s'est ensuite connectée à l'anneau du hot staging, et par la suite, l'équipage l'a séparé du booster. Mais pour quelle raison? Il s'agit probablement qu'une étape visant à effectuer un peu de maintenance, ou simplement à vérifier l'état de la zone du dôme avant du booster. N'oubliez pas qu'il existe des systèmes complexes sous cet anneau. Nous retrouvons les moteurs grille fine et ses composants d'avionique qui nécessitaient probablement une inspection. Bref, le hot staging reviendra très bientôt. Et que dire de cette photo du prototype de l'atterrisseur lunaire Starship du programme Artemis? Et la semaine dernière, le booster 1058 a décollé de la station spatiale de Cap Canaveral et c'était le premier à voler pour la 17e fois. Le booster s'est séparé comme d'habitude et a effectué son atterrissage sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Et ce qui est génial, c'est que c'est rendu normal. Ben oui. Et tellement normal que dimanche, eh bien, c'était le tour du booster 1060 d'effectuer son 17e lancement et atterrissage. Et c'était le 200e vol avec un booster réutilisé. Wow! Et oui, ça semble normal de récupérer un booster aux limites de l'espace sur une barge télécommandée en pleine mer. Et que dire de la mission de récupération d'échantillons Osiris-Rex? Wow! Êtes-vous prêt pour votre voyage à travers le présent, le passé? Cette semaine, on parle de la fusée Redstone et le futur. Et bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! Let's go. Autopilot activated. Et en attendant l'approbation de la FAA, je suis à la fois dégoûté et reconnaissant. Pas la peine d'en rajouter! Parlons des améliorations sur le Starship Super Heavy pour le prochain vol d'essai. Après le premier vol du Starship, eh bien SpaceX a effectué énormément de mises à niveau. La plupart des améliorations ont été apportées au site de lancement et aux boosters qui, à leur tour, attendent l'approbation réglementaire finale. Les boosters 7 et 9 présentent plusieurs différences. Les moteurs Raptor 2 du booster 7 se sont transformés en Raptor 2.1 sur le booster 9, qui utilise le TVC ou Thrust Vector Control électrique par rapport au système hydraulique d'avant. Et le TVC électrique, qui sera moins complexe et plus fiable, utilise des actionneurs linéaires électriques pour déplacer les 13 Raptors centraux sur un booster plutôt qu'avec des actionneurs hydrauliques. Et ça, c'est tout un avantage parce que les fameux HPU sont disparus du bas du booster. Donc, c'est moins lourd, des tubes remplacés par des faisceaux de câbles. Et de plus, le TVC électrique permet une action de cardan plus rapide et plus fluide pendant le vol. Et les Raptors ont également été améliorés. Ils ont modifié les turbopompes et collecteurs de méthane. Ils ont maintenant des nouveaux joints pour réduire la quantité de fuite de méthane dans le compartiment moteur qui avait provoqué des incendies dans le compartiment de moteur du B7 lors du premier essai en vol. Mais pourquoi le Starship Super Heavy a ce problème de fuite? Les autres fusées, on n'en entend pas parler. Ben c'est probablement à cause de la haute pression à laquelle les moteurs Raptor fonctionnent, parce que dans cette turbopompe à méthane, eh bien son collecteur de gaz chaud et sa chambre de combustion principale, ben à l'intérieur, il y a une pression extrême qui pousse sur les joints et qui provoque des fuites. Et le blindage du moteur du booster 9 a également été amélioré par rapport au booster 7. Contrairement au précédent où il avait été installé sur le booster au fil du temps, eh bien le booster 9 a été conçu dès le départ avec un blindage amélioré. Et SpaceX simplifie lentement la conception pour faciliter l'accès au moteur et effectuer la maintenance. Et le booster 9 présente également un changement interne majeur par rapport au booster 7 avec un tube de transfert de méthane nouvellement conçu après l'implosion du booster 7 lors d'un test cryogénique. Et le nouveau tube de transfert comporte beaucoup plus de longerons de renfort. Un autre changement apporté au booster 9 concerne les 4 nouvelles bouches d'aération en haut de l'interstage. Ces évents sont canalisés depuis le haut du réservoir de méthane et permettent à SpaceX de mieux contrôler la pression du réservoir. Et après que le système de terminaison de vol, le FTS n'a pas réussi à détruire le booster Super Heavy entièrement, et bien SpaceX a amélioré le FTS sur booster 9 en ajoutant une autre charge explosive sur le réservoir de méthane. Et avec cette charge supplémentaire, bien SpaceX devrait être capable de détruire le dôme et le réservoir de méthane avec le mélange du méthane et de l'oxygène liquide. Et ça va entraîner une explosion beaucoup plus importante, quoi qu'on en veut pas.
L'anneau de ventilation d'étage chaud, le hot staging, a été ajouté sur le dessus du booster pour permettre au Starship d'allumer ses moteurs en restant attaché au booster. Puis le tout simplifiera le mécanisme de séparation et permettra au vaisseau d'être toujours en accélération. Et cette section permettra au gaz d'échappement des moteurs Raptor d'être dirigé vers l'extérieur et à travers la section ventilée pour éviter toute accumulation à l'intérieur de l'étage intermédiaire. Et cette semaine, nous avons clairement vu que le hot staging pouvait être séparé facilement pour accéder aux ailettes grid fin, à ses composants et à son avionique. L'anneau a été retiré cette semaine sur le site de lancement, mais devrait être réinstallé dans les prochains jours. Et du côté du Ship 25, il existe quelques différences entre le Ship 24 et le Ship 25. Après le test statique du Ship 25, SpaceX a retiré tout le blindage du moteur et l'a remplacé par un blindage plus épais pour protéger les moteurs et le vaisseau. Et SpaceX a également ajouté des bouches d'aération supplémentaires servant à purger l'accumulation de méthane autour des moteurs. Mais avec tous ces changements, SpaceX espère avancer ses objectifs lors du prochain vol. De réussir à effectuer la séparation des étages et l'allumage du Starship, ça serait une grande victoire pour le programme. Mission accomplie. Yes, oui, la capsule OSIRIS-REx du retour d'échantillon de l'astéroïde Bennu s'est finalement posée le 24 septembre. OSIRIS-REx, c'est la première mission de retour d'échantillon à laquelle participe le Canada. C'est pas rien. Et c'est grâce à l'instrument canadien OLA que la sonde spatiale a créé une carte 3D de la surface de Bennu. Et ça a permis aux scientifiques de sélectionner un site d'échantillonnage. Le Canada recevra donc une part de l'échantillon de l'astéroïde. L'atterrissage a eu lieu 3 minutes plus tôt que le calendrier prévu pour le retour de la capsule. Le parachute principal a ouvert à une altitude beaucoup plus élevée que prévu, à environ 6000 mètres contre 1500 mètres. Il n'était pas clair ce qui provoquait l'écart par rapport à ses plans, mais les images montraient la capsule intacte à la surface. Et la capsule s'est séparée du vaisseau spatial principal d'OSIRIS-REx après l'approbation finale des responsables de la mission. Et 20 minutes plus tard, le vaisseau spatial principal a effectué une manœuvre de détournement afin qu'il vole en toute sécurité vers le site d'atterrissage de notre planète. Et la NASA a lancé OSIRIS-REx en septembre 2016 sur une fusée Atlas V et le vaisseau spatial est arrivé à Bennu en 2018. Après avoir étudié la surface de l'astéroïde depuis l'orbite, les scientifiques ont sélectionné un emplacement à la surface pour effectuer un fameux touch and go. Ça, c'est une manœuvre où le vaisseau spatial descendrait à la surface, plongeant brièvement un dispositif d'échantillonnage dans la surface pour recueillir le matériau de l'astéroïde avant de reculer. Et cette manœuvre d'échantillonnage a eu lieu en octobre 2020 et a fonctionné presque trop bien, rassemblant tellement de matériaux à la surface de Bennu que les ingénieurs ont accéléré le rangement du conteneur d'échantillons dans la capsule de retour après que des images ont montré des fuites dans l'espace. Ça fuyait partout. Les responsables du projet ont déclaré que même s'ils n'étaient pas capables de mesurer la quantité de matériel dans la cartouche d'échantillon, ils pensaient qu'ils dépassaient de loin l'exigence de mission qui était seulement de 60 grammes de matériel. Et le conteneur d'échantillon sera transporté dans une installation du Johnson Space Center le 25 septembre. Et une fois sur place, les scientifiques commenceront un processus minutieux pour retirer les échantillons afin d'éviter la contamination et permettre l'étude scientifique de commencer. Et la NASA avertit cependant que l'effort pourrait être mis en attente en cas de fermeture du gouvernement fédéral en raison d'un manque de financement. Le 1er octobre, c'est pas sérieux ça là. Le principal vaisseau spatial OSIRIS-REx va désormais commencer une mission prolongée appelée OSIRIS-APEX. Et il se rendra sur un autre astéroïde proche de la Terre. Il s'appelle Apophis, arrivant peu de temps après que l'astéroïde ait fait un survol de la Terre en 2029. Et pour nous, au Canada, nous allons accueillir prochainement nos premiers échantillons provenant d'un corps éloigné, c'est pas rien ça. Ouais! Stoke Space, c'est une compagnie qu'on n'a pas entendu beaucoup parler, se rapproche d'une fusée 100% réutilisable avec son vol du fameux Hopper. On connaît ça, Hopper? Le test baptisé Hopper 2 a vu le lanceur Hopper de Stoke Space décoller à environ 10 mètres du sol et revenir en toute sécurité, atterrissant dans sa zone d'atterrissage ciblée après avoir volé pendant environ 15 secondes. Et le test visait à démontrer la solidité de plusieurs systèmes et éléments de conception de la fusée, notamment son moteur à hydrogène-oxygène, son bouclier thermique à base de liquide de refroidissement et un système de propulsion qui manœuvre la fusée en étranglant ses différents moteurs. Stoke Space est convaincu que le test réussi permet à l'entreprise d'atteindre son objectif de développer des fusées entièrement réutilisables. C'est pas rien, ça.
Et parmi les caractéristiques testées, eh bien, figurait le papillon différentiel de la fusée qui est utilisé pour le contrôle d'attitude du véhicule. Puis c'est pas largement utilisé dans l'industrie spatiale moderne présentement, ainsi que son bouclier thermique refroidi par régénération qui utilise un liquide de refroidissement sous pression passant à travers des pores métalliques à l'extérieur de la fusée pour refroidir sa surface lors de la rentrée. Et bien que ce véhicule n'ait pas subi directement la chaleur d'une rentrée atmosphérique hypersonique, bien, il a fonctionné avec succès à 100% de la charge thermique attendue dans un environnement simulé. Et si le test de la fusée du deuxième étage a été un succès, bien Stoke Space a encore du chemin à parcourir avant d'atteindre son objectif de construire une fusée 100% réutilisable dans un délai d'exécution de seulement 24 heures. La société va désormais se concentrer sur une fusée réutilisable de premier étage. Rocket Lab échoue lors du lancement de We Will Never Desert You. Imaginez. Rocket Lab a subi une anomalie lors du lancement d'un satellite radar d'observation de la Terre tôt mardi matin. Ça, c'était le 19 septembre. Une fusée Electron transportait un vaisseau spatial radar à synthèse d'ouverture ou SAR pour la société californienne Capella Space a décollé du site néo-zélandais de Rocket Lab. Et les deux étages de l'Electron se sont séparés comme prévu environ 2 minutes et demie après le lancement. Mais il y a quelque chose qui s'est mal passé là, peu de temps après mettant fin au vol. Les données télémétriques ont montré que la vitesse de l'étage supérieur de la fusée diminuait peu de temps après le démarrage de son unique moteur Rutherford. Oui, le moteur de l'étage supérieur pourrait donc avoir subi une panne d'allumage ou un arrêt prématuré. Rocket Lab n'a pas identifié de cause immédiate ou ultime, affirmant qu'il fournirait plus d'informations dès qu'elles seraient disponibles. La mission de mardi que la société a baptisée « Nous ne vous abandonnerons jamais », c'était la 9e de l'année, la 41e au total, et l'anomalie a brisé une série de 19 lancements consécutifs réussis. L'échec le plus récent de l'entreprise remonte à mai 2021. Après avoir jadis visité le Kennedy Space Center Visitor Complex, eh bien, j'ai eu envie de vous parler du premier lanceur avec équipage de la NASA, le fameux Mercury Redstone. Sur cette photo de la fin des années 1950, nous pouvons voir le lanceur Mercury Redstone qui atteint un tir d'essai du Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama. Mercury Redstone a été le premier lanceur avec équipage du programme spatial américain. Il a donné à la NASA l'occasion de comprendre les aspects des performances du vaisseau spatial Mercury à l'effet d'un environnement en apesanteur sur les astronautes et les opérations de lancement et de récupération du Kennedy Space Center. Dérivé du projet Hermès C1 et s'appuyant sur l'expérience allemande avec la fusée V2, eh bien le Redstone utilisait le moteur XLR-43 du projet Navajo. Et le Redstone a été conçu comme un missile balistique sol-sol, pas pour l'espace. La division Rocketdyne de North American Aviation a ensuite été invitée à mettre à niveau ce moteur pour permettre une augmentation de la charge utile. Et l'empennage se composait d'une structure en aluminium riveté avec 4 ailerons de stabilisation et des gouvernails à air avec des aubes à jet de carbone s'étendant dans le flux d'échappement. Et le premier essai en vol du Redstone a eu lieu le 20 août 1953 à Cap Canaveral. Et entre août 1953 et novembre 1958, eh bien, il y a eu 37 missiles Redstone qui ont été tirés au total, dont 13 seulement ont connu un dysfonctionnement. Et c'est le 7 octobre 1958 que la NASA organisa officiellement le projet Mercury pour placer une capsule spatiale habitée en vol orbital autour de la Terre, étudier la réaction de l'homme à ce nouvel environnement et récupérer la capsule et le pilote en toute sécurité. La fameuse qualification humaine pour les vols spatiaux habités de ce qui était auparavant un missile balistique, c'était pas un projet facile. Les exigences du projet comprenaient le lancement d'une charge utile de 2 tonnes et le véhicule devait également répondre à des critères importants de sécurité lors du lancement, à une prise en compte adéquate des facteurs humains et aux marges de performance nécessaires. Et la configuration Mercury Redstone, c'était moins stable sur le plan aérodynamique. Donc, ils ont mis un ballast, ils ont rajouté du poids là, dans la section instrument là, de la fusée, parce que s'ils n'avaient pas rajouté du poids, vous voyez,
elle pencherait trop. Fait que pour la mettre en équilibre, il fallait mettre du poids en avant. Les quatre premiers des huit véhicules Mercury Redstone avaient été tirés de manière statique. Trois vols de qualification du véhicule Mercury Redstone ont été effectués. Le MR1 a été tenté le 21 novembre 1960. Et au lancement, eh bien, le véhicule s'est élevé de quelques centimètres avant que les moteurs ne s'éteignent et que le véhicule ne se repose sur la plateforme. C'était pas génial. Ben, il a été déterminé que le problème était une déconnexion prématurée des connecteurs d'alimentation et de commande de l'équipement au sol. Par la suite, une deuxième tentative a été réussie. Le MR1A qui a eu lieu le 19 décembre 1960. Et c'est le 31 janvier 1961 que MR2 a soulevé un vaisseau spatial Mercury transportant Ham, le chimpanzé, qui a été récupéré après avoir aidé la NASA à tester le système de survie du vaisseau spatial. Voici la capsule Mercury Redstone 2 avec un canapé de vol pour chimpanzé. Les astro-chimpanzés, comme Ham, qui avait d'ailleurs 4 ans, ben, il était attaché à l'intérieur du canapé qui était placé à l'intérieur de la capsule pendant le vol. Et une demi-heure après l'atterrissage, un avion a récupéré la capsule, mais il a fallu 2h40 avant qu'un hélicoptère parvienne à sortir la capsule de l'eau. Une fois le retour sur le navire, eh bien, Ham fut finalement sorti de la capsule. Et l'examen physique a montré ben, qu'il était quand même en bon état, même si son vol dans l'espace de 16 minutes s'était prolongé en une mission de sauvetage d'un peu moins de 4 heures. Et le mécanisme du bouclier thermique a été rapidement repensé pour pouvoir résister à des impacts plus forts. Et en raison d'un problème mineur de poussée du moteur, eh bien, l'équipe a décidé d'insérer une mission supplémentaire de développement de booster dans le calendrier afin de minimiser les risques. La mission qui s'appelait MRBD a été un succès complet, mais a eu un coût. Ce fameux retard a permis à l'Union soviétique de faire la une des journaux, puisque Yuri Gagarin est devenu le premier humain à orbiter autour de la Terre le 12 avril. Et pas longtemps après, le 5 mai 1961, eh bien, c'est là que MR3 a soulevé une capsule Mercury transportant Alan Shepard. Ça, c'était le premier Américain dans l'espace. Et puis, le 21 juillet, MR4 a lancé une capsule Mercury transportant Virgin Gus Grissom pour un vol qui a marqué la fin du programme Mercury Redstone et la prochaine étape du programme américain de vols spatiaux habités. Le fameux vol orbital d'un véhicule plus puissant, le Mercury Atlas, donc Mercury Redstone, on le met de côté, ça c'est un vol en haut en bas, et on attaque le Mercury Atlas pour aller en orbite. Et on n'oublie pas que Yuri Gagarin, lui, était déjà en orbite après son premier vol, donc les Américains étaient quand même assez retard. Les dernières semaines, vous avez sûrement entendu parler d'un Airbus A321 qui a atterri dans un champ en plein milieu de la Sibérie en Russie. Assez spectaculaire quand même. Le 12 septembre 2023, un Airbus d'Ural Airlines effectuait un vol intérieur de Sochi à Omsk en Russie et a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dans un champ alors qu'il se déroutait vers un autre aéroport. Et en approche finale, l'équipage a lancé une remise des gaz après avoir signalé une panne hydraulique. Et en passant, une remise des gaz, c'est quand on s'en vient pour atterrir et que ça fonctionne pas et on donne du moteur pour remonter. Ça peut être à cause de la météo, ça peut être à cause de personnes sur la piste, des animaux ou même des problèmes mécaniques. Hey! Vous avez la rage? L'avion est monté à environ 18 000 pieds au niveau de vol 180 et s'est dérouté vers Novosibirsk. Cependant, l'équipage craignait que l'Airbus tombe en panne de carburant à environ 180 km de leur dégagement, ce qui les a incités à atterrir dans un champ près du village de Kamenka. Il y avait 165 personnes à bord et aucune victime ni blessé grave n'a été signalée, mais l'avion a subi des dommages au train d'atterrissage et aux ailes. Et le système hydraulique de l'avion était tombé en panne et l'équipage craignait que la piste d'atterrissage de leur destination principale ne soit pas assez longue pour effectuer un atterrissage en toute sécurité. Et dans l'aviation, lorsque vous planifiez un vol, ben vous devez avoir assez de carburant pour atteindre votre destination, poursuivre vers un aéroport de dégagement qu'on appelle, avec une belle météo, puis avoir un peu d'essence. Donc, on part du point A, on va au point B, on a un point C en urgence avec des moteurs un peu réduits pour sauver du carburant. Et ça, ça inclut également toutes les approches et également un petit peu de carburant quand on arrive à notre point C. C'est comme ça. Mais tous les calculs sont effectués avec un avion en bon état de marche et le but ultime, c'est de monter à notre plafond pratique qu'on appelle pour sauver du carburant. Et l'altitude, ben ça dépend des avions. Et donc, suite à son problème hydraulique, le commandant de bord a interrompu son atterrissage pour se diriger vers son aéroport de dégagement qui était, mais vraiment très éloigné. Là. C'était vraiment pas un Montréal-Québec. Ben le seul problème, c'est qu'il semblerait que lors de la montée du train d'atterrissage, eh bien, les portes de la baie ne se soient pas fermées. Et ça, c'est tout à fait possible parce qu'il y avait un problème de pression hydraulique, puis c'est ça qui monte les portes
Le train d'atterrissage, ça les aide à aller fermer. Mais avec des restrictions de vitesse et d'altitude du report, ben, il n'aurait pas été capable de monter pour sauver du carburant. Et voilà, tout ça pour dire que, ben, sans juger les pilotes, les procédures sont là, oui, mais attention, il faut garder notre jugement, là, notre jugement d'être humain. Le 23 juillet 1983, avec Air Canada, imaginez, c'est Air Canada 143, c'était un Boeing 767. Le Canada venait enfin de passer au système métrique, ça causait un problème. Ben oui, l'équipage a demandé la quantité de pétrole en kilogrammes et les ravitailleurs ont chargé une quantité de pétrole en livres. Et pour ce vol, ben, il fallait environ 22 000 kg dans l'avion, puis ils ont eu seulement 9 000 kg. Vous avez deviné la suite, c'était un vol Montréal-Edmonton, puis ça s'est terminé au Manitoba. Eh oui, une double panne moteur, puis ils ont plané l'avion jusqu'à l'ancienne base militaire de Gimli, où il y avait une course de voitures à ce moment-là. Heureusement, tout a bien fini. Oui. C'était le vol Toronto-Lisbonne en août 2001. L'Airbus 330 a eu une fuite de carburant sur un moteur à cause d'une mauvaise hausse. Et quand je dis mauvaise hausse, ben c'est un numéro de série qui a eu des petits problèmes. Bref, je rentrerai pas dans les détails, mais c'était pas la bonne pièce qui allait là. Puis ben, avec les vibrations, elle a fini par briser. Et disons que l'équipage a réussi un petit miracle en atterrissant l'avion comme un planeur malgré une mauvaise gestion de la panne. Encore une fois, on juge pas. On apprend des erreurs des autres, puis ça a bien fini cette histoire-là. Ben, ils ont ouvert la valve pour équilibrer les réservoirs, mais en faisant ça, ils ont envoyé le carburant qui restait du côté de la fuite. Parce qu'on n'oublie pas que le carburant, ben, il fait partie des ailes. Habituellement, il y en a aussi dans le fuselage, dans certains modèles d'avions, mais dans les ailes. Donc, si on a trop de carburant d'un côté, ça va être débalancé, on veut pas ça. Donc, eux, ils ont pris le carburant, justement, il y en avait trop d'un côté, ils l'ont envoyé de l'autre côté pour équilibrer. Mais là, la fuite était de ce côté-là. L'avion a plané 121 km et s'est posé en toute sécurité aux Açores. Alors, je leur lève mon chapeau, mais ça prendrait peut-être de l'énergie solaire là, pour recharger des batteries dans un avion. On devrait s'en aller vers là. Pourquoi pas? On s'apercevait que la perte de carburant était plus importante qu'on pensait. Et tout d'un coup, le moteur de droit a cessé de fonctionner. 10 minutes plus tard, le moteur gauche s'est arrêté à son tour. C'est alors que le pilote s'est tout d'abord préparé à amerrir. À 33 000 pieds au-dessus de l'Atlantique de nuit, plus de moteur, c'est pas une situation qu'un pilote rêve. Pendant une seconde, il s'est dit « Oups », puis il s'est mis au travail. J'aurais pu me passer de celle-là, je peux vous dire ça. À chaque semaine, je réponds à une question Cosmos et la semaine dernière, nous avons appris que le réchauffement climatique, c'était bel et bien le résultat de notre négligence. Et cette semaine, je vous pose cette question. Notre étoile, le Soleil, est-il une des raisons du réchauffement climatique ou simplement la solution? La banquise est la surface naturelle la plus claire de notre planète et l'océan la plus sombre. La glace réfléchit les rayons du soleil vers l'espace, tandis que l'océan les absorbe et se réchauffe, ce qui fait fondre encore plus de glace. Et ce qui augmente la surface de l'océan, et ainsi de suite. C'est l'un des résultats du réchauffement climatique provoqué par le CO2. Et dans l'Arctique, eh bien, la mer fait fondre la banquise à un rythme d'environ 15 mètres à chaque année. Et ça s'accélère. L'océan Arctique se réchauffe de plus en plus vite et les côtes sont soumises à plus d'érosion lors des tempêtes qui sont elles aussi plus puissantes. Et c'est un autre effet du changement climatique. Et dans le nord de l'Alaska, de la Sibérie et du Canada, eh bien le sol est en grande partie gelé toute l'année depuis des millénaires. Et nous appelons ça le permafrost. Il contient beaucoup de matière organique, des feuilles mortes, des racines de plantes. Et comme l'Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement que les autres régions du globe, eh bien le permafrost commence à dégeler et son contenu pourrit. Et c'est un peu comme votre réfrigérateur là, qui a une panne de courant là, à l'intérieur. Là. Et en fondant, le permafrost libère du CO2 et du méthane. Ça, c'est un gaz à effet de serre encore plus puissant, ce qui accélère encore le réchauffement. Et le permafrost de la planète contient assez de carbone pour doubler la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et à ce rythme, le réchauffement global pourrait provoquer la libération de presque toute cette réserve d'ici la fin du siècle. Bon, tout ça, c'est bien beau, là, l'air, les océans, la Terre, tout ça, ça se réchauffe, le réchauffement climatique, mais qui dit que c'est pas la faute de notre étoile? Pourquoi pas la nature ou le soleil? Non, mes amis, certainement pas le soleil. Nous le surveillons depuis des décennies et l'énergie qu'il nous envoie n'a jamais changé. Et un fait qui peut paraître étrange, ben, c'est la nuit et en hiver que les températures ont le plus augmenté. Une activité solaire plus importante aura un impact le jour et en été. C'est donc officiel, c'est bel et bien l'augmentation de notre effet de serre. Nous sommes en train de modifier le climat et le soleil n'a rien d'un problème. C'est plutôt une partie de la solution que nous connaissons depuis très très longtemps.
Mes amis, nous sommes à Paris en septembre 1878, il y a environ 145 ans. Des milliers d'exposants sont venus du monde entier pour présenter leurs inventions à l'Exposition universelle. Je peux vous dire que j'aurais, mais vraiment aimé être là. Si tu avais été là, tu ne serais plus là aujourd'hui. Et en passant, la Tour Eiffel a été construite plusieurs années plus tard et la tête de la Statue de la Liberté, elle, faisait partie de l'exposition. Augustin Mouchot, avec sa moustache, là, il faisait partie des exposants. Et il était professeur de mathématiques. Et dans une ville éclairée au gaz où l'automobile n'existait pas encore, eh bien Mouchot fit la démonstration de sa machine d'énergie solaire. Waouh! Son invention concentrait l'énergie du soleil pour la convertir en mouvement mécanique. Et sa machine révolutionnaire alimentée par le soleil produisait de l'électricité pour fabriquer de la glace en plein été. Un jour, le monde manquera de charbon, mais le soleil brillera toujours pour tout le monde. Mouchot décrocha la médaille d'or du concours, mais malheureusement, le prix du charbon s'est mis à descendre et l'intérêt pour l'énergie solaire disparaître. Comme la glace en été. Ouais. À l'époque, eh bien, personne ne pouvait comprendre le véritable enjeu des énergies fossiles. Et ce n'est que 35 ans plus tard, en 1913, que l'Américain Frank Schumann proposa une alternative en Égypte sur les berges du Nil. Oui, malgré ses 3 ans d'école à son actif, eh bien, Frank était un innovateur de génie. Après avoir gagné beaucoup d'argent avec certaines inventions, il se consacre à sa véritable passion, l'énergie solaire. Schumann dirige l'équipe qui dessine et construit un ensemble de concentrateurs de rayons solaires capables d'alimenter une machine à vapeur. Il voulait l'utiliser pour irriguer le désert et le rendre verdoyant. Oui, l'inauguration de sa centrale à énergie solaire en 1913 est un succès. Et cette façon pratique de capter l'énergie solaire à une échelle industrielle fait baisser les coûts de production en dessous de ceux du charbon. Les centrales solaires déployées sur 250 km dans le désert de Sahara auraient pu fournir autant d'électricité que celles consommées par les usines du monde entier. Malheureusement, son projet ne verra jamais le jour car la demande en pétrole explose pour le transport et le chauffage individuel. C'est un carburant fossile encore moins cher que le charbon et très facile à extraire et à transformer. Il fallait une semaine à 100 personnes pour alimenter un navire en charbon alors que pour le pétrole, un seul homme pouvait accomplir la même chose en une journée. Un an après le triomphe de Schumann, eh bien, la Première Guerre mondiale éclata et ses collecteurs solaires sont transformés en armes de guerre et son rêve d'une société alimentée par l'énergie solaire attendra un siècle avant d'être pris. Bref, notre Terre reçoit plus d'énergie solaire en une heure que toutes celles que nous consommons en une année entière. Si nous pouvions exploiter une infime fraction de la puissance solaire et éolienne disponible, eh bien nous pourrions satisfaire tous nos besoins d'énergie pour l'éternité et tout ça sans ajouter de carbone dans l'atmosphère. Et je suis persuadé, mes amis, qu'il n'est pas trop tard. Tout se joue maintenant et aucun obstacle scientifique ou technique ne nous empêche de protéger la vie privée précieuse qu'elle abrite. Mes amis, tout dépend de ce qui compte vraiment pour nous et bien sûr de notre volonté d'agir. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 7, 6, 5, allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que t'allais sauver le monde. Non. 4, 3, 2, arrêtez. 1. Julianne Koch a passé 11 jours dans la forêt amazonienne avant de revenir à la civilisation. Oui, après avoir été la seule survivante d'un accident d'avion au Pérou, c'est pas rien. La jeune fille de 17 ans se rendait de Lima au Pérou à la ville orientale de Pucallpa pour voir son père qui travaillait dans la forêt amazonienne. Elle avait obtenu son diplôme d'études secondaires la veille du voyage et avait l'intention de poursuivre ses études de zoologie comme ses parents. Et lorsque Julianne Koch est montée à bord du vol Lanza 508 la veille de Noël en 1971, ben elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et le vol Lanza 508 était fait avec un turbopropulseur Lockheed L-188 Alpha Electra et qui était exploité comme un vol passager intérieur régulier par Lanza. Ça, c'est une compagnie aérienne péruvienne qui s'est écrasée dans un orage en route de Lima à Pucallpa au Pérou le 24 décembre 1971, tuant 91 personnes, les 6 de son équipage et 85 de ses 86 passagers. Il s'agit de la catastrophe de foudre la plus meurtrière de son histoire.
Et c'était censé être un vol d'une heure sans encombre, mais les nuages se sont assombris et les turbulences ont augmenté. Un orage a soudain englouti l'avion dans un tourbillon de nuages d'un noir absolu, avec des éclats d'éclairs brillant à travers la vitre. L'avion a fait naufrage lorsqu'un éclair l'a frappé, et puis les choses se sont accélérées. Vous ne pouvez qu'essayer de reconstituer ce qui s'est réellement passé dans votre tête. A fait remarquer Coke. Il y avait des cris et des bruits de moteur jusqu'à ce qu'elle ne puisse entendre que le vent dans ses oreilles. Et Julianne Coke, toujours attachée à son siège, venait de se rendre compte qu'elle était en chute libre quelques instants avant de perdre connaissance. Elle est tombée de 3000 mètres ou 10 000 pieds dans la forêt tropicale péruvienne. Et Julianne Coke avait une clavicule cassée, une grande entaille au mollet, mais était toujours en vie. Elle a passé les 11 jours suivants à se battre pour sa vie dans la jungle amazonienne. Et la commotion cérébrale et le choc l'ont laissée dans une état second lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain. Elle avait échappé à une catastrophe aérienne et ne pouvait pas très bien voir d'un œil. Elle est ensuite retombée dans l'inconscience et Coke a eu besoin d'une autre demi-journée pour se réveiller complètement. Elle a essayé de retrouver sa mère, mais sans succès. Et après son sauvetage, elle a découvert que sa mère avait survécu à la chute initiale, mais avait succombé à ses blessures. Et en cherchant, eh bien, Coke est tombée sur un petit ruisseau dans la jungle. Elle commençait à se sentir désespérée, mais elle s'est souvenue d'un conseil de survie que son père lui avait enseigné. Si vous trouvez de l'eau, suivez-la en aval. C'est là que se trouve la civilisation, parce qu'un petit ruisseau coulera dans un plus grand, puis dans un encore plus grand, jusqu'à ce que vous rencontriez de l'aide. Alors son voyage dans le ruisseau a commencé. Parfois elle marchait, et d'autres fois, lorsque le terrain était inhospitalier, elle était obligée de nager. Et le quatrième jour de son voyage, elle a rencontré les corps de trois autres passagers toujours attachés à leur chaise. Un paquet de bonbons se trouvait parmi les passagers. Ce serait sa seule source de nourriture pour le reste de ses jours dans la forêt. Et à l'époque, Coke a entendu et vu des avions de sauvetage et des hélicoptères au-dessus de sa tête, mais ses tentatives pour attirer leur attention étaient vaines. Coke est tombé sur une cabane le neuvième jour dans la jungle et a décidé de se reposer. Et là-bas, elle se souvient avoir pensé qu'elle périrait seule dans la nature. Et puis, elle a commencé à entendre des voix. Et pas des voix imaginaires. Il appartenait aux trois résidents péruviens de la cabane qui rentraient chez eux. Le premier homme que j'ai vu semblait être un ange. Mais les hommes ne ressentaient pas tout à fait la même chose. Au début, il avait peur d'elle, pensant qu'elle était un esprit de l'eau. Néanmoins, ils lui ont permis de passer une autre nuit avant de l'emmener en bateau à un hôpital local dans une petite ville voisine le lendemain. Et Coke a retrouvé son père après avoir été soignée pour ses blessures. Elle a également aidé les autorités à localiser l'avion. Julianne Coke était la seule survivante des 91 personnes à bord. Et parce qu'elle a été interrogée intensivement par l'armée de l'air et la police et jetée sous les projecteurs des médias, eh bien son deuil et son chagrin ont été retardés. Et après tout ce qu'elle a traversé, Julianne Coke a développé une peur profonde de l'avion et pendant des années a fait des cauchemars à répétition. Et en 1980, eh bien, elle est retournée au Pérou pour son travail et est retournée par la suite sur les lieux de l'accident en 1998 pour le documentaire Wings of Hope sur son incroyable histoire. Et du côté de la compagnie aérienne, eh bien, l'Electra était le dernier avion de l'ANSA. L'entreprise a perdu son permis d'exploitation 11 jours après le crash. Et bien que Julianne ait survécu à la douleur de l'expérience, bien, elle s'est retrouvée avec une question. Pourquoi était-elle la seule survivante? Je crois bien que cette question la hantera à jamais. Et ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, merci à tous d'avoir fait partie du voyage Blue Dot Future de cette semaine. C'est toujours un énorme plaisir d'être avec vous à chaque semaine. C'est tout un privilège pour moi. Vous êtes clairement les meilleurs abonnés au monde. N'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours heureux d'avoir vos commentaires. Puis en passant, vous m'avez fait remarquer la semaine dernière que c'était pas un aigle à tête blanche, mais une pigargue à tête blanche. Et vous aviez absolument raison, ben oui, BFR était fatigué. C'est toi qui m'as dit de mettre ça. Comme disait Confucius cette semaine. Avoir assez d'empire sur soi-même pour juger des autres par comparaison avec nous et agir envers eux comme nous voudrions que l'on agisse envers nous-mêmes, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler la doctrine de l'humanité et il n'y a rien au-delà. Hey, n'oubliez pas d'aimer la vie, soyez pas trop sérieux, vous avez le droit de rêver et d'être Blue Dot parce que le futur... Yeah, c'est lui que je voulais, ça commence maintenant. Adios, amigos! Activated.